L'histoire n'est pas répétition, mais un processus continu. Et les coïncidences qu'elle comporte sont aussi des dépassements. Après le règne de la contrainte, celui du devoir obligeant, cette pensée m'aide à s'écouturer dans un poème en hommage à nos héros, magnifie éloquemment l'étape nouvelle, étape qui va du 8e congrès du Parti démocratique de Guinée au lendemain des douloureux événements du 22 novembre imposés à notre peuple par l'impérialisme et sa cynique 5e colonne. Katavara ya soro malagine kana bila bila molo Amara kosema ye kosema kwani fana baratambi ja nikoma kama mena wote kolo daroka ni barasiya ya sondo meroka ni baradoya alhamdulillahi arabi lala mina wasira mohaba ke kokoro Leka dunia leka lagina alami kisiri juma ile fama Mba foni mbani Jamala fo pepe Mba foni uleni Jamara fo obere tete, mbafo ni fini. Jamara fo moli moli, kana soro tunya beniri ya tekelendi. Mbafo ni ndani, jamara fo pepe, mbafo ni uleni. Jamara fo obere tete, mbafo ni fini. Jamara fo moli moli, kana soro. Tunya beniri ya tekelendi Le 2 octobre 1967, à l'occasion de la clôture du 8e congrès, le responsable suprême de la révolution disait Notre congrès a ouvert ses assises sous le signe de l'unité, sous le signe de la bouche ouverte. Mais voilà qu'il clôture ses travaux sous le signe des fenêtres et des portes ouvertes à tous les frères, à tous les États et à tous les peuples qui acceptent la coopération loyale avec la Guinée. À cette époque, tout le monde semblait satisfait. À cette époque, sur tous les visages, ce n'était que joie, ce n'était que sourire. Mais hélas, Ahmed Sékou Touré nous dit que l'homme est un inconnu connu, l'homme est un connu inconnu. Il est vraiment Oma Djougoufa, comment pas de Nero, Oma Djougoufa. Woma Djougoufa kamo bodi biro woma Djougoufa Le 20 février 1969 Quelle ne fut pas la déconvenue et l'indignation de notre peuple en apprenant que des parachutistes mutins à la solde de l'ennemi avaient largué de l'avion qui les transportait de l'Abbé à Conakry
Boiro Mamadou, jeune inspecteur de police chargé de les convoyer. Ce jour-là, encore une fois, le destin de notre peuple se joua et se détermina. Fidèle à son option pour l'analyse dialectique et le principe du centralisme démocratique, le bureau politique du parti convoqua un extraordinaire Conseil national de la Révolution. Les enseignements de ce conseil apprirent au peuple toute la vérité sur le coup des parachutistes. C'était une nouvelle phase du complot permanent de l'impérialisme contre notre peuple, phase connue sous la dénomination de complot Kamanfo-Déba. Le peuple de Guinée, toujours vigilant, jugula ce complot et poursuivit sa marche triomphale. Mon fait, Thomas, Marie, mon fait, Thomas, qu'on y a
lakina beta munaga erete mo pare singalo e mo ko bimo singalo e mo ba mama orkan no mo gere malakina beta munaga erete mo pare e won so go e tonga e won tara e tonga e won madie no go nya tonga Après le complot Kamanfo de Ba, l'impérialisme entêté prépara un autre coup. C'était le 24 juin 1969. Au cours d'une réception populaire, il arma la main d'un traître en la personne de Keita Tidiane qu'il lança contre le responsable suprême de la révolution. On se rappelle encore avec émotion et indignation et encore avec fierté que notre grand timonier d'un réflexe révolutionnaire d'autodéfense projeta la canaille Tidiane par terre alors que ce dernier tentait d'accomplir son forfait. Ce jour-là, encore une fois, le destin de notre peuple se joua et se détermina. Fin samba ni tele ye komendo fin samba Fin samba ni ben ye komendo fin samba woko tete nyenna Fin samba ni tunye ye komendo fin samba Fin samba ni tele ye komendo fin samba Fin samba ni ben ye komendo fin samba woko tete nyenna Kafo benye mojulu na raya wati sila Akera suro akera telero wati wati jamate silano Kafo benye mojulu na raya wati wati Akera suro akera telero wati sila jamate silano
De marchander sa liberté, sa souveraineté reconquise, sa détermination à construire lui-même son bonheur dans la liberté et la dignité, compromettre le plan impérialiste de réasservissement des peuples africains sous la bannière du néocolonialisme. Sachant que de l'intérieur, il ne peut compter sur aucun point d'appui valable, sur aucun élément de reconquête, l'impérialisme ne pouvait avoir recours qu'à l'agression armée accompagnée d'une vaste campagne de discrédit. Ainsi, le 22 novembre 1970, nuit inoubliable de deuil et de larmes, Conakry pieuse cuvait ses fatigues du mois de carême. Conakry de la jeunesse frétillait dans les dancings. 22 novembre 1970. Dans l'opacité complice d'une traîtresse nuit de brume et de brouillard, une horde de mercenaires européens et d'Africains apatrides, puissamment dotés de moyens militaires, s'abattit telle la foudre sur notre paisible peuple, dont le seul crime est de vouloir vivre libre et heureux. 22 novembre 1970. Devant l'ampleur et l'audace de l'affront, chacun sentait retentir en lui la consigne de résistance que nous transmettaient nos héros du fond de leur tombeau. 22 novembre 1970. Quand la voix calme et sereine du commandant en chef des forces armées populaires et révolutionnaires de Guinée, le camarade Ahmed Sékou Touré, fut entendue, le peuple milicien de Guinée, puissamment armé, bouta l'ennemi. Or... Mali, peuple d'Afrique, peuple progressiste du monde, merci de ton soutien inconditionnel et unanime. Le peuple milicien de Guinée vous assure quant à lui qu'à la violence impérialiste, il opposera toujours la violence révolutionnaire. Peuple d'Afrique, l'heure est à l'offensive. Ne croisons pas les bras pour demander à l'impérialisme pourquoi il a fait ceci, pourquoi il a fait cela. Maintenant, c'est la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent.
Et c'est pourquoi Ahmed Sékou Touré vous assure que sa vie, il la donnera pour les causes justes. Merci. Thank you.